De choisir ce titre, sortir, bah c'est la crise du mi-temps, quand tu arrives aux alentours du 40-45, là, entre ces deux-là, il y a probablement, parce que ton esprit pense qu'il est au milieu de sa vie, ce qui est super optimiste d'ailleurs, je sais pas pourquoi, tu te sens obligé de faire des bilans et de remettre en question des choses et tout. Je suis passé par là, je croyais pas, mais en fait si. Donc sortir, ça parle de, oui, ça parle de ça. Mon cœur pèse une tonne quand le téléphone sonne. Tétanisé, je ne pourrais pas décrocher. Quelle nouvelle catastrophe va-t-on encore m'annoncer? C'est d'évoluer, c'est-à-dire de pas, c'est pas forcément changer de style, parce que changer de style c'est facile, tu prends les codes qui correspondent au style que tu veux, si t'es pas trop manchot et que ça fait un moment que tu fais ça, c'est réglé en deux mois l'histoire. Ce qui est plus difficile, c'est de garder ton identité et d'évoluer en réussissant à intégrer d'autres univers et que ça soit harmonieux le mélange sans perdre ton identité. C'est là où ça met du temps, où c'est plus difficile. Donc en effet, si tu écoutes vraiment dans le détail cet album, alors donc il y a ces musiques, ambiance musique de film qui apparaissent, la place de la batterie a changé, elle est beaucoup plus intégrée au mix. Elle est plus en retrait. Tu as des éléments électro qui apparaissent mais par petites touches. C'est plein de petits détails qui font qu'au final, pour quelqu'un qui écoute vraiment, il verra une différence. Au vent de l'eau, il y a cette vie qui m'appelle. Elle me trouve beau. Au vent de l'eau, je passe des heures avec elle. Sans dire un mot. Comme j'écris avec des mots simples, il y a un moment, il faut qu'il y ait du fond dans ce que je dis pour pas que ça soit complètement crétin. Et donc, il faut chercher des émotions fortes pour qu'il y ait du fond. Par exemple, au bord de l'eau, quelqu'un qui écoute ça sans réfléchir peut penser que ça parle d'une histoire d'amour, d'un mec qui va avoir une nana au bord de l'eau. Et si tu rentres vraiment dans le texte, ça n'a absolument rien à voir avec ça. C'est l'histoire d'un paria, d'un mec qui est rejeté de la société, qui n'a pas trouvé sa place. Et qui va s'inventer une relation comme un pansement sur son tourment sur ses tourments de l'âme. Il va inventer cette relation avec cette fille. Et voilà. Moi, je suis parti d'un sentiment que j'ai pu ressentir profond. Et après, j'ai essayé d'écrire ça avec des mots simples. Mais il faut prendre le temps de lire entre les lignes. Sinon, tu dis, ah ouais, au bord de l'eau, c'est la chanson du mec qui va voir sa copine et lui rouler des patins au bord de l'eau. C'est pas le cas. Tell me what you got in that box right now. Tell me what you got in that box right now. Gotta tell me what you got in that box right now. Tell me what you got in that box right now. I've got no excuse for what I've done, what I've become. You've got no excuse, the sun is gone. What's done is done. La scène, pour moi, ça a toujours et ça sera toujours la même chose, c'est-à-dire essayer de prendre le plus de plaisir possible à jouer, de partager avec les quatre gars qui sont sur moi sur scène, qui est les quatre musiciens, qui a un vrai échange et qu'on se stimule et qui une vraie, tu vois, que ça prenne quoi, la sauce prenne et réussir à transmettre ça aux gens. Donc voilà, ça a toujours été le but recherché et ça l'est encore plus maintenant. Essayer de créer des petits moments, même si ça dure 3-4 secondes, mais des petits moments de grâce sur scène.
Faire.